Aujourd'hui, on réacte aux pires inventions d'ingénieurs. Et franchement, ils avaient qu'un seul boulot à faire et même ça, ils sont pas capables de le faire. Bah attendez, j'ai 21 ans, ça c'est en train de me faire rire, vous êtes sérieux hein? J'ai 21 ans, je suis en train de rigoler parce qu'il y a écrit anus. Le mec, il avait un seul truc à faire, mettre une étiquette pour la date. Même ça, il a pas su le faire. À la place de Angus, il nous a mis anus. Truc de ouf. Non, là, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ah bah oui, là c'est sûr. Ah bah oui, là c'est sûr. Le fauteuil roulant, il descend tranquille. Là, il y a aucun souci. Là, l'ingénieur, il s'est dit, Soul, passe dedans. Non mais on voit bien le mec. Attends, l'homme, la femme. Ok, ils peuvent descendre des escaliers. Le fauteuil roulant, il est un petit peu en trou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, franchement, abusé. Le mec, il avait un seul truc à faire. Foutre la tête à l'endroit. Non, même ça, il est pas capable de le faire. Il a réussi à prendre une peluche, foutre la tête à l'envers. Mais en fait, de base, on est là pour critiquer les métiers. Mais je vous jure, ça va me saouler. À quel moment? Non mais faut vraiment être con, quoi. Je suis désolé. Faut vraiment être con. Ah non, bah alors c'est là, je crois que c'est la connerie de l'année. On va pas se mentir, je crois que le mec, c'est le plus con que j'ai vu cette année. Le mec, il a un truc à faire, installer un chiotte. Il fait quoi? Il nous le met de travers. Mais il s'est dit, tiens, je vais mettre le mur de travers, mais même le chiotte. Genre, il s'est passé quoi? J'arrive pas à comprendre. Là, franchement, faut être vraiment con. Ça, vous voyez, c'est le genre de mec qui a dit à sa femme, t'inquiète pas, chérie, je gère la serrure, je vais nous l'installer. C'est pas un ingénieur, lui. Non, parce que là, faut vraiment être sacrément, faut être vraiment haut dans la pyramide des cons. Le mec, il s'est dit, tiens, chérie, ça va bien se passer, je vais t'installer le nouveau loquet de la porte. Et voilà ce que ça donne. Ah bah oui, alors. Transformers, on a l'âge de glace. Oi. Et la communication, là, celui qui s'occupait de la com de cette marque de sac, t'es dans la berne. Oui, il y a un nouveau produit qui arrive dans un supermarché. T'as la communication et après, ça doit être validé. On est d'accord. Comment ça a pu être validé, ce projet-là? Alors là, on a un stand Polaroid, ok. Qui, d'après ce que je vois, est sponsorisé par Apple ou c'est comment, là? Oui, bah oui, c'est Polaroid. Oui, c'est normal. C'est normal, vous inquiétez pas. Tout va bien. Non, là, franchement, c'est vraiment un connard. Non, je suis désolé. Tu vois bien que toutes les grilles, là, à côté, là, elles sont toutes droites. Tu fais quoi? Tu les mets penchés? Ça, c'est quand tu commandes des produits sur les sites chinois. T'es censé avoir le produit qui est à gauche, tu reçois ça, quoi. Ah non, mais là, il a chié dans la colle, là, je suis désolé. Non, mais le mec, il avait un truc à faire, mettre la plaque. Regarde, il voit bien que tous les autres, ils sont normales. Ah, en plus, le sol, moi, j'aime bien. Je trouve ça fait un beau petit style et tout. Mais là, honnêtement, là, c'est niqué, hein. Il peut tout recommencer, hein. Donc là, si je comprends bien, faut qu'on passe entre les deux pancartes. Genre, y a aucun problème là-dessus. Le mec, il voit ça, il se dit, non, tranquille, c'est normal. Tu as une flèche à droite, une flèche à gauche. Vas-y, je sais plus parler carrément, ça me saoule. Mettre une étiquette. Même ça, il est pas capable de le faire, c'est quand même un truc de ouf. Dog stickers. Mais pareil, ça, la communication, ils ont fait quoi? Mais les gars, c'est écrit dog. Donc pour ceux qui sont les plus teubés d'entre nous, dog, ça veut dire chien. C'est des chats. Même ça, ils sont pas capables de le faire, c'est un truc de ouf. Il était dans le bus aujourd'hui. Le mec, quand il l'a installé, se dit, tiens, c'est normal. Imagine le mec, il est aveugle. Il est en train de lire le truc en braille, là. Même ça, il peut pas le faire parce que c'est écrit à l'envers. Le mec, il va lire quoi? Pote, normal. Turn left. Tourner à gauche. Oui, là le panneau là, oui, il nous dit bien de tourner à gauche là. Oui, ça c'est pas mal ça. Franchement, pas mal. Et c'est quoi ce panneau en vrai? Il est tout moche là, il est dégueulasse en vrai. Attendez, c'est pas un panneau ça? Ah ouais, bah ça a été fait à la main parce que là, imagine t'as un panneau comme ça dans la rue. Aïe, on est pas dans la merde hein. Ils ont quoi à mettre les trucs à l'envers? Non mais sérieusement, je sais pas, ça se voit quand même quoi. Carrément là, on a plus 5%. C'est une dinguerie, c'est une singerie ce truc quoi. Ah oui, non mais alors celle-là, encore que tu te trompes sur une brique. Je veux bien comprendre. Mais là t'as la moitié du truc, il est pas au bon endroit. C'est une singerie quand même. Oui bah ça oui, c'est sûr que c'est un renard. Ouais, t'as raison toi, ça c'est un beau renard franchement. Si vous voyez des renards comme ça dans la rue les gars, dites-le moi. Hein, parce que là honnêtement, soit c'est moi qui est con et je suis pas au courant, soit c'est pas un renard. Aïe. J'ai jamais vu un terrain de foot comme ça, les gars. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. Le mec, il devait juste faire une ligne droite. Déjà, elle est pas droite. Et il devait en faire qu'une, hein. Pourquoi il en a fait trois? Regardez. Une. Là, il y en a une deuxième et une troisième. Normal. Ah, bah alors, celle-là. Non, mais je sais plus quoi dire, carrément. Je pense que le mec, ils ont dû faire la dalle avant. Il avait oublié de le mettre, je sais pas. Parce que normalement, ça s'est ancré dans la dalle de béton. Donc, je sais pas ce qu'il a fait, le cousin, mais. Aïe. Bus, slope. Il manque un truc, là. Non, mais les gars. Je sais pas, t'as fini ton truc, tu te recules, tu vas un petit peu en arrière, tu regardes. Je sais pas, moi c'est ce que je ferais. Je sais pas, je fais un travail comme ça. Tu finis ton petit truc, après tu regardes, voir si t'as tout bien fait. Là le mec il s'est dit slope, c'est normal. Comment c'est possible? Attends, comment c'est possible? Non là j'arrive vraiment pas à comprendre comment il a pu foutre ce putain de rondin. Plein de son tracteur tondeuse là. Le mec il s'est endormi dessus là, c'est comment là? Hein? Comment? Attendez, comment c'est possible? Bah, un ascenseur quand même, parce qu'il me disait élévateur là, mais imaginez, vous rentrez dans un ascenseur, vous voyez ça, déjà il y a deux fois le 5. On prend lequel pour monter au 5ème? 1, 2, déjà il n'y a même pas le 3ème. C'est quoi ces boutons? Oh yo. Ah, c'est horrible. Ah non. Après, je pense ils ont juste à les redéplacer. Je pense qu'il doit y avoir un technicien SFR, parce que comme d'hab, c'est toujours le problème, hein. SFR, allez vous faire enculer. Et ils ont pas replacé les trucs au bon endroit, ça doit être. Mais arrêtez avec vos panneaux à l'envers, non mais sérieusement, c'est un truc de ouf. Vous allez me faire péter un pont avec vos panneaux à l'envers. Ça se voit, c'est le mec, il était à l'ouest.
quoi. Il était à l'ouest, il a installé son petit truc. À la fin, il a regardé. Il s'est dit, ouais, flemme de tout démonter, quoi. Et il s'est barré. Il a laissé ça comme ça. Mais les gars, pourquoi il y a un mec qui encule un fauteuil roulant? Mais vous me fatiguez, c'est aberrant, c'est aberrant. Comment on peut laisser ça comme ça? Non. Ah bah tout va bien. Je pense que tout va bien. De l'eau sort d'une prise électrique, mais tout va bien. Genre les mecs ont dit, tiens, c'est normal. C'est normal. De l'eau d'une prise électrique. Pourquoi ça, le mec, c'est pour lire la moitié de l'heure? Non mais là le mec il chipote aussi, je suis désolé. T'as un truc blanc, ça y est. Casse pas les couilles, mange-le, je sais pas. On a une toilette avec un panneau interdit de nager. Alors c'est vrai que tout le monde peut nager dans cette superficie là. C'est normal. Normal. Tranquille. Ok. Après c'est vrai que moi je vois un toilette, je me dis tiens, est-ce que je pourrais nager dedans quoi? Ce serait cool. Coca-Cola. T'es un vrai mec du travail qui a fait ça ou c'est un CP là, je comprends pas. Oui bah tout va bien sur le panneau là, franchement moi je vois pas où est le problème hein. Honnêtement je trouve que tout est parfait hein. Non mais là c'est pareil quoi, je sais pas, t'as l'étiquette, t'arrives à te tromper encore, je sais pas, tu veux qu'on te le dise comment, en chinois, en anglais, en français? Non là il le fait exprès, c'est un truc de ouf. Mario, oui, en plus t'as la petite photo à côté, mais ils arrivent encore à se tromper. Non en vrai juste pour le style, en vrai ça c'est un objet que je pourrais acheter juste parce que du coup il est unique. C'est peut-être moi qui est con hein, dans ces histoires là, mais je vous jure que je pourrais trop l'acheter. Dinguerie. Je pense qu'on va finir sur cet objet les gars, parce que là franchement cette vidéo je pense qu'elle a assez duré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Oublie pas de t'abonner. Je vous fais des gros bisous. Ciao.